Oui, bonjour, je m'appelle Annie France et donc je vais vous parler de sport, de foot et du PSG. En fait, j'ai une grosse passion dans ma vie, j'en ai plein des passions. Il n'y a pas que le sport, mais il y a eu principalement aussi le sport. Donc j'aime tous les sports et j'ai eu un métier qui finalement m'a aidé à connaître aussi le sport. C'est-à-dire que j'ai travaillé pendant quasiment 35 ans au ministère de la Jeunesse et des Sports, c'était à Paris, et j'ai fait toute ma carrière à la direction des sports, où je me suis occupée, entre autres, parce que j'ai fait tous les bureaux de la direction des sports, mais entre autres du sport de haut niveau et aussi de la lutte contre le dopage. Maintenant, je peux vous parler du foot. Alors le foot, c'est une passion qui est quand même un peu récente. Alors peut-être que dans l'inconscient collectif, c'est peut-être aussi 1998, puisque effectivement, on avait gagné, les footballeurs français ont gagné la Coupe du Monde. Et puis, après, effectivement, je me suis intéressée à tout l'aspect technique, tactique de ce sport-là. Et c'est vrai que je pense que seul le football peut provoquer des émotions très fortes. J'aime bien le Paris Saint-Germain aussi parce qu'il a donc des stars, parce qu'il monte en puissance et parce qu'effectivement, quand je regarde un match du PSG, ça me fait vibrer, enfin, surtout quand ils gagnent, parce que quand ils perdent, là je ne vibre pas, je suis un peu comme une amoureuse déçue, je suis pleine de dépit. Ce qui nous est arrivé l'an dernier en match de la Champions League contre Barcelone, où il y a eu cette fameuse remontada. Où effectivement, j'ai même pas pu voir la deuxième mi-temps. Je suis sortie du pub où j'ai l'habitude d'aller voir les matchs du PSG. Je suis sortie de là, je n'ai pas pu voir la deuxième mi-temps tellement j'étais contrariée et je suis rentrée complètement déçue, dépitée, mais toujours supporter ou supportrice. Le foot, il est anglais, alors je sais que d'aucuns diront que le meilleur championnat, c'est le championnat d'Espagne, parce qu'effectivement, il y a le Ballon d'Or, Ronaldo, qui est donc portugais mais qui joue au Real Madrid. Il y a Messi qui n'est pas espagnol mais qui est argentin et qui joue dans l'équipe concurrente du FC Barcelone. Bon voilà, mais c'est vrai que moi, c'est plus le foot anglais qui m'intéresse parce que même si Wayne Rooney aujourd'hui ne joue plus en Champions League, moi j'aimais bien le regarder jouer. C'est un type qui, à mon avis, n'a pas eu le succès d'estime mérité qu'il devrait avoir parce que pour moi c'était un très grand joueur.